Mais pas les autres, y a-t-il des raisons? Ouais, tout simplement parce que certains agras demandent des qualités physiques qui sont plus adaptées au masculin, par exemple le cheval d'arçon. On est constamment sur les bras, donc c'était un petit peu plus difficile pour les filles. Voilà, on va donc voir des spécialistes du plus haut niveau avec Suciu, le Roumain pour commencer. C'est un ancien du circuit, il a 28 ans et il est tout à fait capable d'aller chercher une médaille aujourd'hui. Oui, gymnaste très expérimenté à cet appareil et qui reste souvent dans l'ombre de Marius Urzica, qui aujourd'hui n'est pas là. Il a chuté lors des qualifications. Et oui, il a peut-être, très probablement d'ailleurs, mis un terme à sa carrière, Urzica en tout cas dans sa tête. C'est vrai que c'est très dur et sans doute très décevant pour lui de ne pas avoir pu se qualifier pour cette finale. Et la Roumanie est néanmoins bien représentée par Suciu parce que là, franchement, c'était très 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 beau, très propre. Ouais, on a pu s'apercevoir qu'il n'y avait aucune faute majeure. Ce qui peut départager les gymnastes à ce niveau-là, à deux mouvements. Pareille difficulté, c'est le rythme, l'aisance. Là, on revoit ici le travail des mains sur les poignets en bois, le cuir du cheval d'arçon et la rotation du corps. Ici, les fameux ciseaux imposés. Pas si facile à faire, contrairement à ce que l'on peut croire. Là, on revoit la sortie à l'équilibre, suivie d'une valse complète et la maîtrise de la réception. Et oui, c'est la première place pour Suciu, 9700. Eh bien, il va falloir aller le chercher, le Roumain. Il place la barre très très haut. Ouais, impressionnant.